Nous sommes ravis d'être au manège pour la convention 2021 du groupe MG. C'était extrêmement important, après deux ans de relations un petit peu compliquées, d'avoir pu réunir l'ensemble des équipes autour de nous pour expliquer la stratégie de l'entreprise, pour expliquer la stratégie également du métier, pour poser et positionner l'ensemble du groupe MG dans le devenir de demain. Et c'est extrêmement important compte tenu des changements digitaux qui arrivent, changements législatifs, et dans lequel effectivement le groupe MG est déjà largement impliqué en avance pour effectivement accompagner essentiellement l'ensemble de ses clients dans les transformations qu'ils vont devoir réaliser, j'allais presque dire subir, mais réaliser pour s'adapter au monde économique de demain. Là, on est plutôt sur l'humain. J'ai ressenti ça. On mise tout sur l'humain, la relation avec le client, la cohésion, la diversification du groupe. Et faire connaître le groupe en fait, faire connaître toutes les branches du groupe. L'expertise comptable est obligée de se diversifier pour apporter des conseils pluridisciplinaires à ses clients. C'est une force. Moi-même, je fais partie de l'équipe MG Consulting qui est l'expertise du coup sur la transmission d'entreprise. Donc on accompagne nos clients tout au long de la vie de l'entreprise et pas que, même du côté du coup personnel des dirigeants. Donc vraiment, le but c'est d'être le partenaire de l'entrepreneur. Voilà. La compta, ça représente quelques jours dans le mois. Au final, on a notre client, on l'a tous les jours au téléphone, mais c'est pour du conseil, c'est pour parce qu'il est inquiet sur quoi que ce soit. Donc voilà, on fait vraiment pas que de la saisie, on fait beaucoup plus que ça. Moi, c'est la première convention que je fais. Hein, je viens d'un autre cabinet qui avait une surface quand même beaucoup moins importante, donc j'étais pas habitué à ce genre de choses. Si, c'est intéressant, c'est motivant. Puis ça permet de voir un peu tout l'ensemble d'MG, tous les services qui sont proposés. Puis il y avait la carte derrière avec tous les... Donc ça m'a donné un aperçu plus global de MG que j'avais pas forcément jusqu'à maintenant. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on va passer d'une prestation d'un cabinet d'expertise comptable qui est plutôt liée aux obligations à une prestation qui est plutôt liée au conseil, à l'anticipation, au suivi, à l'accompagnement. C'est vrai que le chef d'entreprise demain va se retrouver subi à d'autres obligations qu'il ne connaît pas encore. Alors la plus communément connue par le grand public, c'est cette fameuse facture électronique qu'ils vont devoir subir, hein, vont devoir s'adapter. Aujourd'hui, l'entreprise MG a mis en place les dispositions nécessaires, tous les éléments qui permettent pour accompagner l'ensemble de sa clientèle dans ces transformations.